Eh bien, salut à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette longue série. Oui, comme je l'avais promis la dernière fois, on était. On a fait une petite pause. Mais c'est bon, on a. Voilà. On a. J'ai fini ma grosse pause. J'ai fini ma grosse pause et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures dans une nouvelle région. Nouvelle région à explorer qu'on va voir. On va voir tout ce que cette région nous propose. Et voilà. Voilà, voilà. Ah, parce que après avoir transféré des Pokémon et regardé la télé, peut-être sortir les dos du cul sur autre chose, non? Ce serait bien, hein? Ce serait bien, voilà. Donc du coup, voilà, hein? Alors. On est dans une sorte de désert. Je m'en suis mis plein la panse. Y a pas à dire, un bon repas après avoir bouclé son job, y a pas mieux. Et on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime, c'est sûr. C'est le pied. Qu'est-ce qu'ils ont cuit? D'accord, ça commence bien. Ça commence très bien même d'ailleurs. D'après les révélations et les sources officielles, deux bâtiments suspects et ravagés par un explosant dans le canyon de l'Écrou serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la Team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée. Et les autorités ne laissant derrière elles que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude et on peut penser que le possibilité de bientôt l'éclaircissement arriveront bientôt. Je suis fatigué, ça se voit. Dis, tu connais la Team Snatch? Non. Cette bande de canailles s'empare des Pokémon des autres sans aucun remords. Ils utilisent ce qu'ils appellent une Snatch Ball pour arracher le Pokémon de leurs adversaires en plein combat. Tu as l'air d'un dresseur, toi aussi, tu ferais bien de rester sous tes gardes. Oh, première fois qu'on te voit dans les parages. Toi, en voyage, mon gars. Ouais, je sais pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relax, prends ton temps. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais leur repère est explosé. C'est bien fait pour eux, comme quoi, quand on a un criminel... Moi, je ne fais rien de mal, alors je ne fais rien exposer. C'est drôle, ça. Les voleurs de Pokémon de la Team Snatch sont impardonnables. S'ils ont été néanmoins anéantis avec leur repère, moi je dis bravo. Toi aussi t'es un dresseur de Pokémon? Oui. Tu ne peux pas me le cacher. Je peux lire dans ton visage, tu es un dresseur fortiche. Je parie que tes Pokémon aussi sont fortiches. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien te mesurer à toi. Je pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. Ok. Oh, attends, attends! Je m'appelle Billy. Tu fais chier, Billy. Rien que te voir, ça me donne envie de te défier en combat. C'est plus fort que moi. Y a pas à dire, tu as l'air un type de balade. Allez, juste un combat rapide contre moi. Bon, si tu veux que je monte la gueule, vas-y. Cool, j'aime les gens qui ont des répondants. Allez, allez, viens par ici. Allez, allez, c'est parti. Yeah, à fond les gaz! Vroom vroom, go! Ça se passe comment? Ah, nouvelle région, nouveau dresseur. Nouveau Poké. Bah non. J'aimais très bien cette idée. Et moi j'ai. Oh, un Octavie! Et un Montavie! Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, d'accord, ça commence bien. Ah! Eh ben écoute, on va faire ça. Allez hop, choc mental.
One shot. Ah, c'était même pas pour critique. Ah bah dis donc. 153 et 153. Rien. Force cachée qui est le type normal. Hein. La réserve le tire. Oh, il passe entre les jambes, c'est trop classe. Charge. Ce n'est pas très efficace, voyons. Vas-y, choc mental. Allez, couché. Ah, je me suis fait lessiver, j'ai encore du chemin à faire. Mais oui, c'est clair, 240. C'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Tu es vraiment fort, toi. Tu m'as carrément aplati. Et je sais, si tu veux tester tes capacités de dresseur, tu n'as qu'à aller à Phénacide, c'est une ville située à l'ouest d'ici. Là-bas, il y a des dresseurs plus forts que moi. Tu devrais essayer de les défier. Alors, il pleut des cordes. Deux petites secondes. C'est bon, je suis de retour. C'est juste qu'il pleuvait dans ma chambre. Tout va bien. Bref, alors, du coup, on a battu ce dresseur. Bon, on va peut-être sortir d'ici, non? Ok, Phénacide, bon, bah, on va aller que là, de toute façon. Nous ne pouvons aller que là, tabarnak. On a quand même fait du chemin avant d'y arriver ici, hein. Qu'est-ce que quoi? Oh, bouge-toi un peu, tiens-le correctement. Facile à dire, mais tu n'arrêtes pas de gigoter, et c'est coton de le tenir, je te jure. Ok, ok, on est gentil, on met un peu du sien, on se tait un moment, d'accord? Sortez-moi de là, à l'aide, au secours! Attends, quoi, il y a quelqu'un dedans? Waouh, le scotch qu'on lui a mis dans le bec, il a dû lâcher. Oh, tu vas te taire, oui! Et zut, peut-être bien que... Peut-être bien que... Il a peut-être bien tout entendu, ce morveux. Oh, comment il lâche! Oh, la pauvre! Bah, vu que tu nous as entendus, on n'a pas le choix. Ce n'est pas de ta faute, c'est juste que t'as pas de bol. Mec louche Gaffard. C'est quoi ce prénom, Gaffard? J'attends eu Bill, c'est Gaffard. Ah, c'est que des combats duo! Ah oui, d'accord! Y'a que des combats duo. Hop, je m'en vais pas là. Vas-y, monte mon panier. Oh, les one shot. Oh là 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 là. C'était magnifique. Allez, force cachée. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, la précision baisse. Grondement. Ça ne mangera pas du tout. Ça monte l'attaque. Ok. Bon bah il est KO. Hein. Ah bah dis donc, les premiers combats contre les dresseurs, ils sont faciles, ça va. On se met bien là. On se met bien. Ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, papa. Ah, tu es plus fort que tu en as l'air. Oh, 500, ça va. Tu arrêtes à mettre mon chuchemur, tu n'es pas un mes chuchemurs plutôt. Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Ah, ce visage, tu serais pas le... Mais, la Team Stash n'a... Oh. Et vous, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, quelqu'un au secours, au voleur, au voleur. Ah, la ferme, on n'est pas des voleurs. On est des kidnappeurs, tu piges. Kidnappeur. Vous êtes surtout très con. Que crétin. Va hurler des trucs pareils. Ne te repose pas sur tes lauriers, morveux. La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, je vous réduis en purée. Ah mais c'est terrible, on dirait qu'il y a quelqu'un dedans. Sans déconner. Oh non, c'est incroyablement serré, ils sont vraiment horribles d'avoir fait quelque chose pareil. Le sac est maintenu fermé par une corde de nouée. Défaire le... Bah oui.
Sora essaie de tirer. Non, la corde résiste, mais elle lâche peu à peu. Sora défait la corde et ferme le cercle. Oh mon dieu, c'est une rousse! Pardon. Super, merci de votre. Oh là là. Où suis-je? Qu'est-ce qu'il m'en est, ces deux-là? Ici, c'est Phénacite, la ville aux mille fontaines. Ouf, voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Vous auriez dû voir comment il battu ces types, c'était super. Oh, vraiment, merci beaucoup. Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles Sora, moi c'est... Ah, il faut lui donner un nom! On va l'appeler... Oh, je sais! Pour ceux qui ont la référence. Je m'appelle Shizue, enchanté. Shizue, j'étais dans la ville voisine quand j'étais kidnappé, mais ça a été si soudain. Au fait, ces deux-là, ils n'utilisaient pas des Pokémon bizarres? Des Pokémon bizarres? Non, c'est des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarre? Oh, non, ce n'est rien. Tu as bu, Shizue? Vous avez l'air plutôt embêté. Pourquoi ne pas les demander conseil au maire de la ville? C'est quelqu'un de très gentil. Il acceptera sûrement de vous aider. Pour la mairie, la maison du maire, montez l'escalier situé la dernière, cette grande fontaine. Vous prenez directement à gauche. Ok. Le maire? Oui, bien sûr. Le maire pourra peut-être nous conseiller. Dis, Sora, je sais que c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre que je puisse demander. S'il te plaît, veux-tu bien m'accompagner? Bon, allez, si tu veux. Merci, Sora. Ouf, j'espérais bien que tu accepterais. Si ces deux affreux reviennent, je n'ai rien à craindre avec toi. Merci beaucoup de rester avec moi. Shizue se joint à vous. Ouais. Ok. Alors, il faut monter l'escalier. Il y a la gauche. Cette maison-là, non? D'accord. C'est quoi ça? On dirait un perso de Kingdom Hearts. Une fusion entre Sephiroth et Ansem. Un jeune dresseur en voyage peut-être. J'aime ce que je vois dans ton regard. J'ai l'impression que l'on se reverra dans quelque part. Oui, personnage de Kingdom Hearts, il n'y a pas de problème. Oula, c'est quoi cette musique? Oh là 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 là, où est-ce qu'on est atterri là? Ah, vous devez être voyageur, bienvenue à Phénacite, je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Eh bien... Oh, que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Alors déjà, papy, tu vas te calmer. Je l'ai vu. Vu? Vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre, en fait. J'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat, il était entouré d'une aura nébuleuse. Shizue, tu t'es drogué, c'est pas bien. En plus, ce Pokémon attaquait les êtres humains. Quoi? Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque les gens? Si cela est vrai, c'est terrible. Quelqu'un un peu difficile... Quoique un peu difficile à croire comme ça. C'est vrai, monsieur le maire. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon, je me suis fait kidnapper, c'est un vrai individu. Je vois, je comprends. Je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai, merci monsieur le maire. Non, vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas être en train de se réveiller. D'accord. Donnez-moi juste un peu de temps, je devrais pouvoir mettre la main sur ces informations nécessaires. Ah oui! Vous m'avez l'air d'un dresseur. Je suis fatigué, ça se voit. Si c'est vrai, vous me manquerez pas de vérifier dans notre merveilleux colisée, fierté de notre ville. Un magnifique colisée digne de la ville, mille fontaines. Ok. Bah écoute, le colisée si tu veux, ouais. Bienvenue au collectif de Phénacite, ici le bureau d'inscription pour participer au tournoi. Malheureusement, je suis désolé pour avoir un candidateur, les inscriptions sont déjà terminées sur toi. Veuillez revenir au prochain tournoi. Ouais. Bon, ouais.
là pour l'instant. Bah attends, il me dit d'aller là, il... Non mais il se... Tu te fous ma gueule, hein. Tu te fous ma gueule. Ah. Yo, et Sora, on t'a enfin mis la main dessus, espèce de traître. Non seulement tu as explosé le repère, mais en plus tu es allé voler le Snatcher, tu es un sacré culot. Oh, en vrai, je suis en arrière-camp. Qui c'est, c'est là, hein? La team Snatch? Et ils ont dit traître, Sora, ça veut dire... Ouais, et ça, ma mignonne, cette crapule fait partie de notre bande de la team Snatch. En plus, c'est pas un membre de base, c'est un des meilleurs de la team Snatch. Il rate pas un Pokémon. Non, est-ce que c'est vrai, Sora? J'en sais rien, moi, je suis bourré. Hein? C'est vrai? Alors, là, c'est la meilleure! Hé, hey, Sora, allez, rends le Snatcher que tu as piqué au repère. Snatcher? Sora, tu es vraiment un truc, tu as vraiment un truc comme toi sur toi? Celui qui en équipé du Snatcher n'a besoin que d'une Pokéball, quelle que soit. On met la Pokéball dans le Snatcher, il la transforme en Snatch Ball, et avec ça, zoup, on ship un Pokémon. Oh! C'est pour voler des Pokémon. Le vol, c'est mal, voyez. Hé, hey, crétin, tu as la langue trop bien pendue, tais-toi! Je vois, Sora, c'est pour ça que ces affreux te poursuivent, n'est-ce pas? Affreux? C'est qui les affreux? Ah, ça me fatigue, si tu nous rends pas gentiment, on va prendre de force. Oh. Rob. Rob, c'est pas un robot, c'est pas le robot de... De Hades, hein? Avec la pince. Spooko. Un Octalie et un Mantel. Allez, choc mental. Fais-nous un beau choc mental, mon mental. Oh là là, mais il one shot que ses adversaires, c'est magnifique. Hop, bien sûr. Ah, il a la trouille. Chef. Choc mental. Super effective. Smogo et KO. Hop, ça c'est fait. Hop, 26. Ouais. Non, je suis pas assez bon. Mince, Sora, c'est pas fini. On le récupérera, ce Snatcher. D'accord, ok. Alors, comme ça, c'est suffisamment de la Team Snatch. Ah, en fait, non, c'est, pour être précise, un ancien monde de la Team Snatch. Ce n'est pas grave, je me fiche de qui tu es, Sora. Je veux dire, tu es le prince qui m'a sorti d'une épisode d'isolation. En plus, arrêtez de faire ça, putain. Moi, j'ai trouvé une super idée après avoir écouté leur histoire. Dis, Sora, et si on allait acheter des Pokéballs? Ouais, si tu veux. Allons à fêter des Pokéballs. C'est quoi ça? C'est pas du tout là, ok. Ah, va-t'en. Shop, voilà, c'est juste là. Bon, j'en ai eu deux, Ah, ils en vendent pas, ok. D'accord, ils en vendent pas, ok. T'es tout dessus, non? Et casse-toi, toi! Bonjour, non. Ah non. Bah, elle dit acheter des Pokéballs, mais ils en vendent pas. C'est quoi cet entourloupe? Oui, alors allons acheter des Pokéballs. Ah bah non, en fait, y en a pas. Mais ferme ta gueule. Dis Sora, allons chercher un magasin où ils vendent des Pokéballs. Bah ouais, je veux bien, mais où? Ouais, où est-ce qu'ils vendent des Pokéballs par hasard?
c'est parti pour chercher pendant 5 ans des putains de Pokéball. Mais c'est drôle. Ah, elle est mignonne, mais... Ouais, où ? Non, ce n'est pas là. Oh là 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 là, on va devoir charger pendant 5 heures des Pokéballs. Ah, oh, là c'est le bureau du maire. Bah attends, peut y avoir que là ? Attends, c'est forcément là. Acheter. Bah non. C'est ça peut-être, non? Encore à tes yeux, je balague. Un des Pokéballs, je n'ai jamais entendu parler de magasin qui en aurait par ici. Ah attendez, je crois souvenir que quelqu'un en a acheté la saison de service il y a quelques temps. Attendez, attendez, vous allez vers l'est, c'est facile, voilà un bâtiment en forme de l'automobile, papa. Ah bah voilà. Eh bah c'est bon, je sais où en acheter. Hop, on va l'acheter des Pokéballs. Des Pokéballs. Non, ça va, non. Hey, mon gars, tu es en vadrouille, tu ferais bien de t'équiper avant de continuer. Dites, patron, vous n'avez pas des Pokéballs à vendre par hasard? Hein, des Pokéballs, tu dis, personne n'en utilise dans le coin, alors où est-ce que j'en ai fourré? Allez, voilà, un peu poussiéreuse, mais ça devrait aller. Et hop, tiens, prends les... celle-là, c'est cadeau. Yo, je les ai, tiens, pour le coup, je vais en mettre un peu avec mes marchandises. Si t'en veux d'autres, je vais en acheter ici. Alors, est-ce que tu veux pour toi? Bah, acheter. Oh, des super rôles, encore mieux. Hop, allez, on s'en fout. Allez, hop, j'ai de quoi faire avec ça. Allez, c'est bon, on nous emmerde plus, toi. Retourne à Phénacite. Oh, c'est vous, il se passe quelque chose de terrible. Quoi? Il y a encore plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les deux se sont enfuis, camion était avec eux. Quoi? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, mais où donc en Icar? D'accord, ouais, si tu veux. Peut-être là, non? Ah, on va devoir les bâtiments un par un pour savoir exactement. Ne localisez ici le bureau de la question, malheureusement. Ben... Attends, je vais reparler à la dame parce que... J'ai pas trop envie de chercher pendant 5 heures, en fait. Ce serait bien. Non mais. Alors. Est-ce que la dame peut nous donner plus d'informations? Il y a encore plein d'hommes bizarres qui sont venus. Les deux qui se sont enfuis avec le camion étaient avec eux. D'accord. Ok. Ben on va faire tous les bâtiments. Je pense pas qu'il faut que j'aille là. Ouais, est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Les notions d'information, ici les dresseurs, non, capacité. Non. Peut-être revoir le maire, non? Ah, fallait. Ok. C'est ce gars-là, c'est celui qui a repris la fille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh les mecs, vous êtes ridicules. Vous faites étriper par des moutards. Des moutards? C'est ça. Toi mec, tu m'as dit que ton était Sora ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bien mec, je suis désolé, cette midinette, tu vas devoir la remettre, tu vois.
Comment dire, on dirait que cette gazelle voit des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Ils ont tous bu dans cette région, c'est pas possible quoi. Et ça mec, ça nous embête énormément. Je lui préfère éviter de swinguer dans un océan de douleur. Toi aussi tu devrais suivre le rythme et nous laisser faire. Allez les mecs. Oui. Bien les garçons, je retourne à Pyrite un peu en avance, mais surtout ramenez-moi bien la mignette. Compris, n'échouez pas une deuxième fois, je ne partirai pas. Bah fais la ta place aussi, fais la roll place aussi. Let's groove dance. Ils sont tous chaudins dans cette région, ça se... Toi, c'est la première fois, j'étais pas concentré, mais cette fois, je vais pas laisser passer pareil. Ça va pas passer pareil. Ils sont tous shootés dans cette région, ça se passe comment? Chuchmur, un ennemi. Ouais, pareil que tout à l'heure. Hein. Hop, oui, one shot. Changement. Elle a touché. Dimension. Oh, courir, bon, c'est le méca. Voilà, courir. Hop. Hop, voilà, on n'en parle plus. Ah, j'ai encore perdu. Oh. À mon tour, je ne finirai pas comme Gaffard. Ah bah ça y est, enfin l'action. Ross, sbire boule Ross. Est-ce que les Nox y a mis égal? Allez, choc mortel. Super effectif. Ah là là, terrible désillusion. Un Makuta. Ok. Oh, c'est super ce Pokémon. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que c'est imbécile, mon kidnappé. Ce Pokémon à l'aura nébuleuse. On lui a fait quelque chose, je peux le voir. Sora, attention, ce Pokémon n'hésite pas à attaquer directement les humains. Je sais, Sora, ça me plaît pas vraiment, mais il n'y a pas le choix. Je t'en prie, ce serait ce Pokémon de ces affreux. Tu pourrais. Non, tu es le seul à pouvoir le faire. What? Ah, faut le capturer en gros, quoi. Je vais faire chapeau en taille, tiens. Je crois pas que c'est one shot. Je pensais pas que c'était mettre KO. Bon, c'est pas grave. Magnifique. Ah, mes Pokémon! Non, mon Pokémon à moi! Bon, je l'ai mis KO, ça va. Qu'est-ce qu'il y est... C'est ce qu'il y va. Il affiche mon Pokémon KO à moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas supposé être impressionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Bulisco va nous lâcher menu. Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit! Run! Déjà à vous? Ok, j'arrête. Ah, dommage, tu n'as pas pu prendre leur Pokémon, c'est ça le type. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres ailleurs. Il faut que nous récupérons tous, il ne faut pas leur laisser un seul. Oh là 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 là. Chaud, chaud, chaud. Bah écoutez, mes petits amis, c'est là qu'on va se laisser. Donc je vous dis au prochain épisode.
globe rond épisode a été assez mouvementé. Au prochain épisode, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et le plus important, des bisous.